Bonjour à vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir les énergies de façon générale pour la semaine du 17 au 23 mai. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, commentaire. Si vous souhaitez une guidance ou une consultation, vous avez tous les liens dans la description sous la vidéo. Et pour commencer, on nous parle eh bien d'artistes, acteurs, musiciens, créateurs. Oui, il y a plus ce côté création qui me vient en tête par rapport à vous. Une idée, vous avez une idée en tête. Relaxation. Ce qu'on vous demande, voilà, c'est de vous détendre. Parce que vous avez une idée en tête, mais vous hésitez. Est-ce que je la mets en place? Est-ce que c'est une bonne idée? Il y a ce côté où... Non, je ne vais pas prendre toutes ces cartes. Mais il y a ce côté où vous tracassez. Vous prenez la tête avec vous-même, à savoir est-ce que c'est une bonne idée. Et dans les cartes qui vont sortir par la suite, peut-être qu'il y aura la fameuse carte où on nous dit de débrancher le mental. Alors peut-être qu'elle ne sortira pas, mais si elle ne sort pas, en tout cas, elle pourrait sortir. Pensez à vous, voyez? Pense à vous, pense à toi. Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que, vous voyez, ce côté, est-ce que c'est une bonne idée? C'est même pas, est-ce que c'est une bonne idée par rapport à vous, mais est-ce que les autres vont penser que c'est une bonne idée? Comme si que, au lieu que vous vous dites, parce que finalement, l'idée que vous avez en tête, eh bien, que cette création que vous souhaitez mettre en place, eh bien, peut-être vous mettrez à votre compte, eh bien, pour vous, c'est une très bonne idée. Mais vous vous dites, ouais, mais est-ce que pour moi c'est une très bonne idée, mais est-ce que ce sera une très bonne idée pour un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, et un tel, encore un tel, un tel, un tel, et ayant pas, c'est des meilleurs. Eh bien, peu importe que ce soit une mauvaise idée pour eux, parce que le but, là, c'est pas que ce soit une bonne idée ou une mauvaise idée pour les autres, mais que cette bonne idée, ou que le fait que ce soit une bonne ou une mauvaise idée, c'est pour vous et non pour les autres. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter de penser pour les autres, mais de penser à vous. C'est pour ça qu'on nous dit pense à toi. C'est comme si que moi, ce que je ressens, c'est pense à toi, mais et arrête de penser au voisin ou arrête de penser à la voisine. Allez, on continue. Alors, vous voyez, c'est par exemple, vous souhaitez. Voilà, ce que je raconte, voilà, c'est un exemple. Que vous êtes propriétaire d'une maison et vous souhaitez peindre la façade, eh bien, en vert, en rouge, ou en rouge, ou peu importe. Ah, mais si je le peins en rouge, qu'est-ce que les gens vont penser? Sachant que dans toute la rue, je vais être la seule maison avec une façade peinte en rouge, peinte en bleu ou en vert. Eh bien, peu importe ce que les gens vont penser. Si vous avez. Parce que si pour vous c'est une bonne idée, eh bien faites-le. Parce que de toute façon, des fois, vous passez devant des maisons et vous voyez le devant qui n'est pas toujours, eh bien, on va pas dire que c'est pas terrible, mais c'est pas votre goût. Mais peu importe, parce que les gens quand ils ont installé quelque chose devant leur maison, ils l'ont fait pour eux, ils l'ont pas fait pour les autres. Bon, après, voilà, ils l'ont fait en se disant, ben, voilà, si ça plaît aux gens, tant mieux. Mais pour ceux que ça ne plaise pas, eh bien, ce n'est pas grave, parce que de toute façon, c'est chez nous et c'est pas chez eux. Et là, c'est pareil. C'est chez vous et là, c'est votre idée. C'est pas leur idée, c'est votre idée. Et n'allez surtout pas leur demander, justement, vis-à-vis de l'idée, parce que, surtout, si sur 10 personnes, il y a une personne qui vous dit, c'est une mauvaise idée, vous n'allez pas prendre en compte les 9 personnes qui vous ont dit que c'est une bonne idée, mais vous connaissant, enfin je ne vous connais pas, mais il est possible que vous allez dire, il y en a 9 qui ont dit oui, qui ont dit que c'était une bonne idée, mais il y a une personne qui a dit que c'était une mauvaise idée. Alors du coup, eh bien, je vais pas en mettre en place cette idée, ce que j'ai en tête. Tout ça parce qu'une personne vous a dit non. Vous a dit c'est une mauvaise idée, voire une très mauvaise idée, oublie tout de suite. Et puis même que vous ratez l'inverse, que 9 personnes vous disent c'est une très mauvaise idée et une personne vous dit c'est une très bonne idée.
Eh bien, vous écouteriez, quoi qu'il arrive, à partir du moment qu'il y a une personne que pour vous, du moment que au moins une personne vous dit c'est une très mauvaise idée, eh bien, pour vous, ça vous suffit pour penser la même chose, pour penser qu'en effet, il a raison, c'est une très mauvaise idée. Alors que, comme je vous disais, vous devez penser à vous et faire en fonction de ce que vous vous ressentez. Ensuite, on nous parle d'héritage, de donation, de testament. Par rapport à tout ça, eh bien, il y a un côté où souhaitez-vous laisser un héritage à, on va dire, à vos descendants. À vos enfants, vos futurs enfants, à vos petits-enfants, pour plus tard. Et à ce côté, vous voyez cette idée de laisser. Alors, un héritage, ce n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être quelque chose de mobile. Par exemple, une maison. Quelque chose. Vous voyez, je vous parlais de maison. Peut-être que là, vous voulez passer de la location à l'achat. Et en vous disant, mais de toute façon, c'est pas grave, le jour où je partirai, la maison, je ferai en sorte qu'elle soit mise en vente et que mes enfants puissent se partager eh bien, la valeur. Si, mettons, vous avez trois enfants, et eh bien que dans votre testament, vous avez marqué que la vente de la maison soit, enfin, voilà, l'argent de la vente de la maison soit divisé en trois. Et au moins, ça. Parce que ça permettrait d'avoir voilà, d'avoir au moins, si vous, peu importe, voilà, que vous avez deux ou trois enfants, mais au moins vous leur laisseriez quelque chose. Et il y en a forcément qui vont vous dire c'est une mauvaise idée. Maintenant, l'argent c'est toi qui gagne, pourquoi tu. Ben, pense à toi d'abord, tes enfants, voilà, ils ont bien le temps d'y penser, mais le problème c'est que, voilà, une maison en location, vous savez, voilà, il y a vous laisser. Le jour où malheureusement vous partez, mais vos enfants n'hériteront pas de la maison vu que vous étiez locataire. Et du coup, c'est pour ça que vous allez préférer, parce que vous savez que il est temps, c'est le moment pour vous d'investir dans un bien immobilier. Alors, une maison, ça peut être un appartement. Que de toute façon, vous aurez le temps, si mettons vous l'achetez à crédit, vous aurez le temps de tout payer. Vous voyez? Voilà pour. Parce que, voilà, avant de finir, il y a ce côté parce que vous voulez vous assurer un avenir à votre enfant, vos enfants, lorsque vous ne serez plus là. Vous voulez, comme ça leur permet de les protéger de, ben voilà, de dépenses, de dettes. Parce qu'on ne sait pas de quoi est l'avenir. Mais là, vous savez que vous, c'est un très bon investissement. C'est pour ça que vous souhaitez. Alors, il y en a voilà, qui vont souhaiter eh bien, investir dans une maison, un appartement, ou alors ouvrir des assurances vie, par exemple, ou autre chose. Mais en tout cas, il y a ce côté de léguer, où vous avez envie de léguer quelque chose à vos enfants. Voilà pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion, merci pour votre présence. Passez une bonne journée, prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez, et je vous dis à bientôt.